que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. Qu'on ne s'est pas retrouvé en story. Regardez ce que j'ai reçu depuis longtemps. Mais j'avoue que je ne voulais pas montrer. Un petit colis. Et non, ce n'est pas Buggy et Musty Fruit. C'est Albert et Christine. Il m'a gentiment dit Pide. Je sais qu'on a les mêmes chiens. On est jumes de chiens. Est-ce que je peux t'envoyer un petit colis? J'ai dit. Putain, il est lourd, hein. J'ai dit avec plaisir et du coup il m'a envoyé ça parce qu'en fait il a créé sa marque. Oh là là, alors 100% Mustang va jouer avec ça et Bug, mini jouet pour Bug, c'est parfait. J'adore. Bah écoutez, c'est pas mal. Et oh, il m'a mis des bandanas. J'allais dire, eh bien j'ai été gâtée, mais non, c'est Buggy et Musty Fruit qui ont été gâtés. Voilà un petit peu ce que j'ai reçu. Pas mal, en plus, regardez, il a mis du scotch. Enfin, je sais pas s'il fait ça à tout le monde ou pas. En tout cas, c'est top parce qu'au moins ça permet que ça se renverse pas partout dans le colis. Moi, j'aurais personnalisé un tout petit peu le petit bag, mais bon, il vient de créer sa propre marque, donc peut-être plus tard. Mais moi, j'aurais mis une grosse tête de Mustang, parce que, enfin, de Carlin, voilà, tu m'as compris. Mais j'adore, il y a plein de petits cadeaux, c'est vraiment top. Merci beaucoup, Cyril. Ça, c'est des cornes de cerf et Mustang, c'est son jouet préféré, parce que j'en ai déjà acheté plein, parce qu'il kiffe. En plus, ça coûte une blinde, donc voilà. Donc, cadeau pour toi, Musty Fruit. C'est pour toi, mon bébé. Mais toi aussi, t'en as un. Il y en a deux, ma chérie. Mais toi, t'aimes pas trop. Je sais, t'as pas de dents. En plus, t'es une mamie.